Radio Neuf, ambition, réussite. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission de Radio Neuf. Aujourd'hui, nous allons revenir sur le défilé de carnaval de l'école maternelle des Canonniers qui s'est déroulé le mardi 28 février dans le quartier du Neuf. Nous avons pu interviewer certains élèves de la maternelle qui vont vous décrire leur déguisement et leur matinée. Bonjour, est-ce que tu peux te présenter ? Je m'appelle Mikaïla, j'ai 6 ans et aujourd'hui on va faire carnaval et on va le faire autour du quartier et manger des bonbons. Tu es déguisée en quoi aujourd'hui Mikaïla ? En sorcière. Et est-ce que tu aimes le carnaval ? Oui. D'accord, merci bien Mikaïla. Bonjour, tu t'appelles comment ? Je m'appelle Ala. Et tu as quel âge ? Tu es en quelle classe, Ala ? J'ai 6 ans. Je suis dans la classe des grands. D'accord, et tu vas faire quoi aujourd'hui, Ala ? On fait carnaval. Et tu le fais où ? Dans le quartier. Et dis-moi, tu es déguisée en quoi aujourd'hui ? En sorcière. Ça te plaît, ton déguisement ? Oui. D'accord, merci bien, Ala. Bonjour, tu t'appelles comment ? Siana. Et tu as quel âge, Siana ? Tu es en quelle classe ? J'ai 6 ans, je suis à la maternelle chez les grands. D'accord, et vous allez faire quoi aujourd'hui ? On va se promener au quartier pour fêter carnaval. D'accord, et tu aimes bien le carnaval ? Oui. Et tu es déguisée en quoi pour ce carnaval ? En sorcière. D'accord, parfait, merci bien. Aujourd'hui, où est-ce qu'on va aller, Inaya ? Au carnaval. Oui, et on va, où est-ce qu'on va marcher ? Go. On va marcher où ? Dans la rue. Que vont faire les mamans, Hugo ? Elles vont jeter des bonbons. Et nous, Inaya, qu'est-ce qu'on va jeter ? Des consentis. Pas des consentis, des... on va jeter des confettis. Qu'est-ce qu'on va jeter ? Des confettis. Bonjour, tu t'appelles comment ? Damilola. Et tu vas où, là ? Au carnaval. Tu aimes bien le carnaval ? Oui. Tu es déguisée en quoi aujourd'hui ? Cigane. D'accord, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de notre émission. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. C'était Jonathan pour Radio Neuf. Radio Neuf, ambition, réussite.